Bienvenue au Musée national de la photographie des Jardins. Mon nom est Jonathan Hugues Potvin, fier directeur général de l'endroit. Rapidement, l'historique du musée est né d'une idée d'un photographe de Drummondville, M. Jean Lauzon, en 2006. Dans un soubassement d'église, il croyait fortement à la vertu et la pertinence d'avoir un musée de la photographie. Tranquillement, ça l'a fait son chemin. La ville de Drummondville a appuyé le projet. Et en 2016, nous avons eu l'appellation nationale, étant le seul musée de genre au Canada. Donc, on est devenu le Musée national de la photographie. Desjardins s'est additionné à l'équation dans le déménagement, dans la relocalisation du musée. On est maintenant situé au 400 Riott avec un bâtiment de 3 étages qui constitue 21 000 pieds carrés. Notre collection comprend environ 35 000 appareils photographiques et accessoires reliés aux appareils. Nous avons au-delà de 500 000 photographies en collection. Donc, avec des axes de collectionnement qui s'apparentent aux médias québécois, aux photographes québécois et aux procédés anciens et marginaux. Donc, nous avons 3 axes précis de collection et nous avons également une collection de livres littéraires sur la photographie qui constitue environ 13 000 livres. Le post-COVID nous a amené à travailler et remettre en question environ 80 fois depuis le 13 mars nos activités, notre fonctionnement, notre façon de faire, de diffuser. Et puis, ben maintenant, on a statué là, dernièrement, là, malgré les temps qui changent très rapidement, pour le mois de juin, le musée offre une foire boutique. Donc, c'est permis pour nous d'élaguer, aliéner un peu les artefacts qu'on avait plusieurs et plusieurs fois. Donc, ça nous permet de créer de l'espace malgré nos 3 étages pour accueillir des artefacts que nous n'avons pas. Puis, ça permet aussi aux collectionneurs, aux passionnés de photographie de se procurer des objets de valeur exclusifs, d'une bonne rareté. Donc, on est bien fiers. Et on a ajouté à ça des collections de photographies de grands photographes qu'on a en collection ici. Et nous avons la permission de faire la vente, dont John Wyllen, que vous allez voir tout à l'heure en visite avec Sylvain. Ça nous a amené à réfléchir le post-COVID sur la diffusion des expositions. Donc, on a revu une programmation qui était biennale. J'étais encore dans le deuil. On devait accueillir Al Pacino, M. Al Pacino, le parrain, qui a une session photo boudoir à New York, dont on était le fier exposant cet été. Donc, deuil est en cheminement. Et on a refait une programmation. Puis, on a l'honneur d'avoir la photographe de l'année, une ambassadrice Nikon, Tsara Maud, qui nous offre une exposition de chevaux Skin Faxi, qui est d'une très grande qualité, avec un support de plexiglas. Ça vaut vraiment le déplacement. C'est du grand format. Faut vivre ça. Puis on va vous accueillir avec des nouvelles normes, des nouvelles mesures. On est en mesure de vous accueillir malgré tout. Là, on a tout réfléchi. Naturellement, il y a le purel d'usage. On essaie d'alléger aussi la lourdeur. Donc, bien entendu, si vous avez un masque, tant mieux, mais on n'obligera pas les gens à porter le masque. On a d'autres mesures sécuritaires qui permettent de passer un bon moment au musée. Et va s'en suivre une panoplie d'expositions dont on est bien fiers. On va faire une vitrine également au Club Photo du Québec en même temps que Tsara Maud. Il faut savoir qu'on a 4 salles d'exposition au musée. Donc, il y en a pour tous les styles, les genres et les goûts. Donc, c'est certain que vous allez trouver votre compte. Et ce qui est intéressant de venir au musée, puisqu'on remarque des visiteurs en général, c'est qu'ils viennent pour une exposition et ils en découvrent 3 autres par la suite. Donc, abandonnez-vous au monde photographique. On a été inondés de photographies durant les derniers mois. Ça a donné des choses extraordinaires. On en a pour des années. On va se donner un laps de temps pour bien filtrer, digérer un peu cette période-là. Mais pour les années à venir, c'est bête à dire, mais ça a été payant pour le musée, cette période-là, parce qu'on va avoir des archives historiques pour longtemps. Donc, ça va amener un autre aspect de notre collection très intéressant. Puis, ça va nous rappeler qu'on a fait partie de l'histoire à quelque part. Je pourrais vous parler du musée pendant des heures. J'aime beaucoup le musée. Alors, je vais vous laisser Sylvain, qui aime autant le musée, vous faire visiter nos multiples salles. On a vraiment une variété d'activités reliées à la photographie qui va bonifier votre activité, votre sortie à venir nous voir. Donc, je vous laisse à Sylvain. Venez nous voir du mardi au dimanche. Appelez au musée 819-474-5782 sur notre site, notre nouveau site, Musée de la photo, Musée national de la photo.
Com, c'est notre nouvelle adresse. Ou sur notre page Facebook aussi, c'est très facile à joindre, puis vous êtes au courant de tout ce qu'on fait. Bonjour, mon nom est Sylvain Croteau. Je serai votre guide pour vous parler des différents espaces que nous avons ici au musée. Nous accueillons des groupes qui peuvent aller jusqu'à 150 personnes qui sont réparties par petits groupes et nous leur faisons faire des activités, la chambre noire, nous avons une bibliothèque, des conférences, des ateliers. Suivez-moi, nous allons aller faire la visite de nos différentes salles. Dans cette salle-ci, nous avons une exposition présentement de John Wallen, un Suisse, qui fait surtout du photomontage. Présentement, toutes les photos sont en vente. Et maintenant, je vais aller vous montrer la chambre noire, l'espace pour le club photo, une bibliothèque. Bienvenue dans le local du club photo de Drummond. Donc ici, à toutes les deux semaines, le club photo se réunit, mais c'est un espace multifonctionnel. Donc on peut recevoir du groupe scolaire ou des groupes de large genre en tout temps pour des conférences, des ateliers ou quoi que ce soit. Ici, on a un studio qu'on peut accueillir pour faire des photobooths avec les jeunes ou avec toute autre personne. Il est disponible à la location pour les gens qui désirent en profiter. À votre disposition, vous aurez les toiles de fond et les lumières. Il vous reste seulement à apporter votre caméra. Pour conclure, nous vous attendons en grand nombre au Musée national de la photographie. Vous êtes les bienvenus. Au revoir.